troisième législature, année législative 2023. Deuxième question ordinaire. Rapport présenté au nom de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales par Mme Abdi-Georgiane-Marie, sénateur, sur le projet de loi numéro 205/PJL/SEN/3L portant charge de protection des enfants en ligne au Cameroun. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues, lors des assises 13 juin 2023, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 205/PJL/SEN/3L portant charge de protection des enfants en ligne au Cameroun. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à Monsieur le Président du Sénat conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions de l'article 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents, réunie le 23 juin 2023, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et a confié l'examen à la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales. Votre commission s'est réunie à cet effet le 24 juin 2023. Le projet de loi était présenté et défendu par Madame le ministre de Postes et Télécommunications. Les travaux se sont déroulés en présence de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. De l'exposé des motifs, il ressort que le projet de loi soumis à l'examen du Parlement porte charge de protection des enfants en ligne. Il s'inscrit en droit ligne de l'initiative Child Online Protection, COP, créée en novembre 2008 par l'Union internationale des télécommunications, UIT, ainsi que du Programme mondial de cybersécurité, GCA, qui réunit des partenaires de tous les secteurs de la communauté internationale pour que, partout dans le monde, les enfants puissent mener à bien des activités en ligne en toute sécurité. Les enfants, en effet, comptent parmi les utilisateurs les plus actifs et les plus vulnérables du cyberespace et sont, par conséquent, exposés aux fléaux tels que le cyberharcèlement, l'intimidation, la violence et l'utilisation des données personnelles, l'exposition à des contenus inappropriés, la radicalisation, les abus et exploitation sexuelle qui ne sont pas suffisamment encadrés sur le plan juridique. L'utilisation d'Internet emporte, heureusement, un volet protection, comme en témoigne le développement de la pornographie mettant en scène des enfants. Les dangers auxquels cette couche sociale est exposée sont constitutifs de violations des droits de l'homme et sont des obstacles majeurs, mal reconnus et insuffisamment signalés à la suivi et à l'épanouissement de l'enfant. Le projet de la Cour rubrique vise donc à améliorer les cadres normatifs et institutionnels pour renforcer les pouvoirs des régulateurs du secteur de communication électronique face aux effets pervers d'Internet, d'une part, et la confiance numérique, d'autre part. Riche de 49 articles, le texte proposé est un instrument juridique d'appoint pour faire face à la cybercriminalité infantile concernant toute personne âgée de moins de 18 ans. Il définit le rôle de tous les acteurs impliqués dans la cybersécurité et prévoit l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national de protection des enfants en ligne. Ce projet de loi aménage les conditions permettant au secteur privé constitué des
fournisseurs d'accès à Internet, des fournisseurs de contenu et de services en ligne, des opérateurs de réseaux de communication électronique et exploitation du système d'information. De rendre le cyberespace national plus sécurisé pour les enfants. Il prévoit également des plans de sensibilisation des enfants, ainsi que la mise en place des mécanismes de contrôle de l'accès au cyberespace par les enfants. La responsabilité et les obligations des intervenants dans le cyberespace y sont bien encadrées, de même que le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux diverses infractions identifiées. Invité à prendre la parole pour d'éventuelles explications complémentaires à l'exposé des motifs du projet de loi sous examen, Madame le ministre des Postes et Télécommunications a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude pour les chaleureux accueils qui a été réservé à elle-même ainsi qu'à la délégation qui lui accompagne. En retour, elle a formulé à l'endroit de vos commissaires sa reconnaissance, ses souhaits de santé, de succès et de prospérité pour l'année 2023 en cours. Revenant au texte sous examen, le représentant du gouvernement a indiqué que les dispositions de la loi numéro 210/013 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ont conféré au ministre des Postes et Télécommunications, entre autres, la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de sécurité des communications électroniques et des systèmes d'information en tenant compte de l'évolution technologique et les priorités du gouvernement dans ce domaine. À cet effet, le MINPOSTEL coordonne en liaison avec les administrations concernées un certain nombre d'activités sur les plans juridiques et institutionnels en rapport avec la sécurisation des internautes en général et des enfants en particulier. En outre, le ministre a relevé que sur le plan juridique, le Cameroun dispose d'un arsenal de tests qui encadre l'utilisation des TIC et l'Internet, notamment les lois, ce qui dirait la loi numéro 200/2006/18 du 19 décembre 2006, régissant la publicité au Cameroun. La loi numéro 2010/013 du 21 décembre 2010, régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi numéro 2015/006 du 20 avril 2015, la loi numéro 2010/021 du 21 décembre 2010, régissant le commerce électronique au Cameroun. La loi numéro 2015/007 du 20 avril 2015, régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. La loi numéro 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard. Et enfin, la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Poursuivant ces explications, complémentaires, le ministre a rappelé que, sur le plan institutionnel, plusieurs structures accompagnent le ministère dans ses missions. Il s'agit notamment du ministère de la Justice, qui est chargé à travers les juridictions de la poursuite et du jugement des auteurs des infractions cybernétiques et éventuellement de leur répression. Des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse qui œuvrent à travers les curricula de formation et les centres multimédia pour la promotion de l'utilisation des TIC. Des ministères en charge des affaires sociales et familiales qui ont pour mission, entre autres, la protection de l'enfant. Le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, peut-être,
de la délégation générale à la sécurité nationale, la DGSN, et de la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, qui interviennent en matière d'investigation numérique. De l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ANCIP, qui assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des réseaux de communication électronique. Du Conseil national de la communication, la CNC, qui régule les activités des médias audiovisuels afin de préserver la dignité et l'intégrité des enfants en matière de publicité et de tout autre contenu inapproprié. Pour le ministre, ce dispositif bien qu'important et avant-gardiste par rapport à celui de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne mérite d'être complété et adopté au regard des évolutions enregistrées dans l'environnement numérique. En effet, a souligné le ministre, pour de nombreux enfants aujourd'hui, Internet, les téléphones portables et les autres technologies ont une forte présence dans leur vécu quotidien. Sans aucun doute, toute cette technologie apporte de nombreuses possibilités et avantages aux enfants en termes d'impact sur leur niveau d'instruction et d'inclusion sociale. Internet a amélioré l'accès à l'information par le monde, permettant ainsi aux enfants et aux jeunes d'effectuer des recherches sur tous les sujets qui les intéressent, d'accéder aux médias du monde entier, de réaliser leurs objectifs professionnels et d'exploiter des idées pour l'avenir. Pour le Minfocel, le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun est passé de 4,2% en 2010 à 45,6% en début 2023. Et les enfants de 15 à 24 ans constituent la tranche d'âge la plus connectée. Toutefois, a ajouté Mme le ministre, malgré les avantages considérables de l'Internet, les enfants et les jeunes font face à de nombreux risques lorsqu'ils utilisent les TIC. À l'évidence, si les TIC sont le prolongement de la vie réelle dans le cyberespace, leur utilisation déviante contribue malheureusement à l'amplification des actes cybercriminels au nombre desquels se trouve l'abus et l'exploitation des enfants en ligne. En effet, ceux-ci comptent parmi les utilisateurs les plus actifs et les plus vulnérables du cyberespace et sont par conséquent exposés aux fléaux tels que le cyberharcèlement, l'intimidation et la violence des données personnelles, l'exposition à des contenus inappropriés, la radicalisation, les abus et exploitations sexuelles. Ceci est d'autant grave que les menaces se multiplient, leurs auteurs se jouant de plus en plus des frontières, rendant leur traçage difficile et leurs sanctions plus complexes. À titre d'illustration, en 2022, sur les 313 plaintes liées aux scamming qui ont été reçues, 23% des victimes étaient des enfants âgés de moins de 18 ans. Il s'agit essentiellement des plateformes de multiplication d'argent en ligne. Le scamming étant entendu comme croquerie au moyen des TIC, consistant à stocker des fonds en miroitant aux victimes une somme d'argent. De plus, environ 10% des plaintes liées aux publications malveillantes concernent les enfants, notamment les cas où les parents signalent la circulation des images de leurs enfants sur les réseaux sociaux sans leur consentement. Ici, le cybercriminel laisse croire que l'enfant est malade et que le parent a besoin d'aide financière. La protection des enfants en ligne est un défi complexe qui implique les espaces d'ordre politique, opérationnel, technique, juridique et de la gouvernance.
l'extension de l'accès à Internet pour tous les enfants et les jeunes, sans discrimination ni exclusion, dans toutes les parties du monde, ainsi que la promotion de la citoyenneté et de la responsabilité numérique, doivent aujourd'hui faire partie des objectifs prioritaires des décideurs politiques soucieux d'accroître les possibilités offertes aux enfants. Cette problématique préoccupe au plus haut niveau le gouvernement de la République. De fait, la construction d'un accès sûr à Internet constitue un enjeu important des politiques internationales en matière de digitalisation. Au niveau supranational, le programme mondial de la cybersécurité, Global Cyber Security Agenda, GCA, se déploie en tant que cadre de coopération internationale destiné à accroître la confiance et la sécurité dans la société de l'information. Ce programme de l'UIT, initié en 2007, couvre cinq piliers, à savoir les mesures juridiques, techniques, organisationnelles et celles relatives au renforcement des capacités et à la coopération internationale. Le programme Global Cyber Security Agenda porte sur deux initiatives. La première est le programme Impact International Multilatéral Partnership Against Cyberterrorisme, qui cible le terrorisme en général, et la seconde, plus spécifique aux enfants, est l'initiative de la protection en ligne des enfants, Child Online Protection. L'initiative sur la protection en ligne des enfants, Child Online Protection Initiative, permet d'assurer la sécurité en ligne des jeunes utilisateurs de l'Internet. Ses principaux objectifs consistent à identifier les risques pour les enfants dans le cyberespace, à bien faire connaître ces risques par divers moyens et à élaborer des outils pour aider le gouvernement, l'industrie du digital, les éducateurs et les organisations concernées à les minimiser. Elle constitue une base pour le partage des informations et la conclusion des partenariats internationaux afin de mettre en œuvre des mesures concrètes pour protéger les enfants et les jeunes gens de la cyberespace. À la suite de la publication de ces lignes directrices de l'UIT, les États membres dans notre pays ont adopté plusieurs résolutions qui reconnaissent notamment l'urgence de la protection des enfants en ligne et invitent chaque État membre à mettre en œuvre des actions concrètes. Le présent projet de loi qui fait référence étant à internaliser les règles internationales préconisées. Dans le même optique, l'Assemblée des régulateurs les télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC, recommande au gouvernement, parents, éducateurs et à l'industrie des CIC la création d'un environnement digital approprié aux internautes en général et aux enfants en particulier. En ce qui concerne le Cameroun, l'objectif du gouvernement est de garantir un intérêt fiable et sécurisé partout, notamment pour les enfants, conformément aux très hautes instructions édictées par le chef de l'État lors de son message adressé à la jeunesse le 10 février 2023. Je cite, je vous exhorte à vous détourner des comportements déviants qui comprennent de l'ampleur dans notre société. Il faut également éduquer et décéder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques, au risque de vous couper des réalités. Conscient de ces dangers, j'ai prescrit au gouvernement d'élaborer une charte visant à garantir la protection des enfants sur Internet dans notre pays. Fin de citation. Cette charte a
vocation à compléter le dispositif juridique existant ainsi que la vaste campagne de sensibilisation pour la promotion de la cybersécurité et l'usage responsable des réseaux sociaux menée par le ministère sous la très haute impulsion du chef de l'État. Le système de protection des enfants en ligne jusqu'ici applicable n'adresse pas un certain nombre de problématiques telles que la consultation des sites contenant des images de pornographie enfantine, la responsabilité des différents acteurs du cyberespace dans la protection des mineurs exposés au contenu inapproprié, l'obligation de signalement aux autorités des contenus illicites aux fins d'enquête, l'obligation de mise en œuvre des dispositifs de contrôle parental pour assurer la sécurité des enfants sur Internet, etc. Le projet de loi portant charte nationale de protection des enfants en ligne au Cameroun, qui est soumis au Parlement, définit le cadre légal applicable à tous les acteurs en vue de la protection des enfants sur Internet, ainsi que les principales règles applicables à toutes les activités impliquant des enfants dans le monde virtuel afin de créer un environnement numérique sûr et adapté à leur âge. Il s'agit d'un dispositif juridique, multi-acteur, qui renforce les pouvoirs des régulateurs du secteur des communications électroniques face aux effets pervers des Internet et il prévoit des sanctions dissuasives ou aux atteintes contre les enfants en ligne. De manière plus spécifique, cette charge protège l'enfant contre l'accès à des contenus illicites, fait obligation aux opérateurs de communication électronique d'établir un contrôle d'accès aux contenus d'adultes et prévoit des mécanismes de signalisation des abus, de disposer des guides pour enfants et parents, de porter à la connaissance de l'autorité tous les actes constitutifs de pornographie enfantine, cette dernière obligation étant aux fournisseurs de contenu numérique et au cybercafé. Cette charge précise le renforcement des capacités des enfants à travers des curricula de formation sur l'accès sécurisé à Internet dès l'école primaire. Les stratégies de protection envisagées incluent la coordination des activités d'acteurs publics et privés portant sur une multitude de questions interdépendantes qui, en définitive, ont pour objectif de construire un Internet plus sûr conformément aux objectifs de la SND1. C'est dans ce sens que le projet de loi élaboré par le gouvernement précise le rôle de l'État qui veille à la mise en place d'un cadre adéquat pour l'utilisation sécurisée de l'Internet par les enfants. Le rôle du secteur privé qui participe aux côtés de l'État à rendre Internet plus sécurisé pour les enfants, les parents et les communautés, notamment en les sensibilisant, en les formant et en donnant des informations précises sur les sites non éligibles aux enfants. Le rôle du régulateur de l'Internet, qu'est l'Agence nationale de technologie et de l'information et de la communication, qui est de déployer les moyens préventifs et répressifs nécessaires à la protection des enfants dans les cyberespaces nationaux. Les obligations des autres intervenants dans le monde virtuel, les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs de contenu, etc. Les sanctions encourues en cas de violation des dispositions constatées. Dans le chantier de la protection des enfants dans l'univers du digital, de nombreux défis doivent être relevés. Aussi, l'État, les opérateurs, les organisations du numérique et la société civile doivent agir de manière coordonnée. C'est l'objectif recherché dans ce projet de loi soumis à votre examen, dans l'intérêt majeur des enfants et qui arrive
qui arrime notre pays aux standards juridiques internationaux. Le représentant du gouvernement a conclu ses explications complémentaires en sollicitant tout le soutien et l'appui de la Chambre haute du Parlement en vue de l'adoption de ce projet de loi portant charte de protection des enfants en ligne. Au cours de la discussion générale ouverte après ces explications complémentaires, les préoccupations des membres de votre commission des affaires culturelles, sociales et familiales ont porté sur la responsabilisation des parents. Sur ce point précis, vos commissaires, relevant pour le déplorer l'insuffisance des dispositifs de contrôle parental, ont voulu savoir pourquoi le projet de loi n'a pas prévu des dispositions spécifiques sur le rôle de la famille. Le rôle clé des acteurs dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle parental. À ce propos, vos commissaires ont interpellé les représentants du gouvernement sur les mesures prises pour assurer la formation de ces acteurs afin de créer des synergies d'action entre eux d'une part et sur la date de démarrage effectif de mesures de formation d'autre part. La directive de l'UIT sur la protection de l'enfant en ligne, Child Online Protection, éditée en 2008. Sur ce point précis, vos commissaires ont voulu savoir pourquoi ce projet de loi sur la protection des enfants en ligne est déposé au Parlement 15 ans après le lancement de l'initiative pour la protection en ligne des enfants. L'âge limite des enfants concernés par la protection. Sur ce dernier point, vos commissaires ont voulu savoir s'il ne fallait pas prendre en compte les différentes perceptions culturelles pour fixer cet âge limite. Au chapitre des recommandations, vos commissaires ont émis des suggestions sur la nécessité d'assurer la formation efficace au personnel chargé de la protection des enfants en ligne, notamment les offices de police judiciaire, des agents de régulation et des ministères concernés. L'insertion d'une disposition spéciale relative à la protection de la jeune fille particulièrement vulnérable face à la montée croissante de la dépravation des mœurs. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission, le représentant du gouvernement a tout d'abord remercié vos commissaires pour l'intérêt porté au projet de loi sous examen. Abordant la préoccupation relative à la responsabilité des parents dans la protection des enfants en ligne, le ministre des Postes et Télécommunications a tout d'abord tenu à faire remarquer que le projet de loi sous examen placera le Cameroun à un niveau très élevé de la cybersécurité en Afrique subsaharienne, avant de préciser que le plan d'action national de protection des enfants en ligne prévu prendra en compte les préoccupations de vos commissaires sur le rôle de la famille. Terminant son propos sur la préoccupation relative à la responsabilisation des parents, le représentant du gouvernement a relevé que toutes les responsabilités ne peuvent pas être intégrées dans ce seul projet de loi. En effet, certaines questions qui ne sont pas traitées par ce projet de loi sont régies par d'autres textes qui existent déjà. S'agissant de l'urgence de la formation des acteurs intervenant dans la chaîne du contrôle de la protection des enfants, Madame le ministre a précisé que cette question est déjà traitée à l'article 7 du projet de loi sous examen. En ce qui concerne le dépôt de ce projet de loi, 15 ans après l'initiative Child Online Protection, le ministre des Postes et Télécommunications a indiqué que les directives sont émises à l'échelle internationale par l'Union internationale des télécommunications et il revient à chaque État de l'intérêt dans son corpus juridique selon son contexte socio-politique propre. Il sent son propos. En collaboration avec le ministère en charge de la femme et de la famille,
va élaborer des modules de formation à distance dans le cadre des programmes de parentalité positive. Réalisant aux recommandations de vos commissaires, lors du second tour de table, Madame le ministre des Postes et Télécommunications a déclaré sur la nécessité d'assurer une formation aux différents acteurs intervenants dans la protection des enfants en ligne, que le texte sous-examen a été préparé avec la participation active de l'Agence nationale de télécommunications et de l'information et de la communication en plus. Et en ce moment, la formation des acteurs devant assurer la protection des enfants en ligne est en cours, car il s'agit d'une surveillance technique devant se faire dans les observations, dans les observatoires faisant intervenir plusieurs entités, telles que le Conseil national de la communication, l'Agence de régulation des télécommunications et l'ANCIP. Il ne sera plus question d'attendre une plainte pour agir. Désormais, ces organismes pourront s'auto-saisir en cas d'infraction dûment constatée. Confiant son propos sur l'insertion d'une disposition spéciale relative à la jeune fille, le ministre des Postes et Télécommunications a indiqué que certains enfants sont vulnérables et naïfs, mais que d'autres le sont moins. Pour les protéger, le projet de loi sous-revue contient des dispositions qui obligent les fournisseurs d'accès à mettre en place un système d'identification des utilisateurs mineurs qui permettrait de remonter vers des industries qui contournent les interdictions. Après ces échanges, vos commissaires ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous-examen. Les articles 1 à 9 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. À l'article 10, vos commissaires ont fait remarquer que l'organe chargé de la régulation des TIC n'a pas été nommément désigné et ont souhaité que l'organe soit désigné. Sur cette observation, le représentant du gouvernement a précisé qu'au Cameroun, l'organe chargé de la régulation des TIC est l'ANCIP. Le ministre a poursuivi en mentionnant que le fait de ne pas désigner nommément l'organe de régulation est une technique de rédaction juridique qui consiste à protéger l'organe de régulation contre l'usure du temps, car la dénomination actuelle du régulateur peut évoluer. Après cette explication, l'article 10 a été adopté dans sa forme initiale. Les articles 11 à 45 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. À l'article 46, vos commissaires ont souhaité qu'on mentionne expressément les personnes qui sont habilitées à consulter les sites contenant les images de pornographie. Réagissant à cette préoccupation, le représentant du gouvernement a spécifié qu'une plateforme technologique avait la capacité de différencier l'utilisation professionnelle de l'utilisation malsaine et mise sur pied. Ainsi seront appliquées des sanctions pénales pour toute personne, morale ou physique, s'adonnant à ces activités pédopornographiques. Concluant son propos, Madame le ministre des Postes et Télécommunications s'est voulu rassurante en indiquant que les acteurs habilités à manipuler ces sites bénéficieront d'une exception professionnelle d'accès. Après ce échange, l'article 46 a été adopté dans sa forme initiale. Les articles 47 à 49 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. Ainsi parvenus au terme de leur échange et n'ayant constaté aucune divergence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires culturelles, sociales et familiales ont adopté chacun des articles
dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble des projets de loi numéro 205/PJL/SEM/3L, portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun. Il prie maintenant la Chambre entière de bien vouloir entériner. We'll be right back.